Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ma fifi, ça va ma fille? Ma mère, la mère de qui est? La mère de Nicole Kitcha. C'est ta maman chérie. Je t'aimerai toujours. Je t'aime, tu es maman, maman, bébé, je t'aime jusqu'à où? Marie, tu dis à Marie que je ne clash plus avec elle, je l'aime beaucoup. Ma Marie t'aime aussi, ma pépé, ma Marie t'aime aussi là. Tu lui fais plein de bisous, tu lui dis que je vais manger les patas de la maman. Si, claro, si. Ouais, ma pépé, au goût de ça. Si, Marie. Que ma pépé, quand elle venir, ma pépé. Marie, elle me dit, maman pépé, maman pépé. Elle me parle seulement l'italien. Pronto, claro. J'ai ma petite fille, ma fille Nicole. Nicole, j'ai ma pépé. Je t'assume jusqu'à le jour que tu as envie de faire. Dis-moi que maman, je vais faire ça, on te soulève. C'est ça qu'on dit qu'on encourage l'enfant. Quand tu as un direct, je ne cherche pas à savoir de qui tu parles. Je partage d'abord. C'est normal. Ma pépé, le mois de juin qu'elle est venue, j'ai demandé le bon bongo là, mon frère. Ah, mon enfant. Hein? Bonjour, quand je te prépare ça, moi, la gamelle, je te donne encore un petit peu. Mais moi, tu restes à ta soirée, non? Hein? Mais tu restes à ta soirée au mois de juin, non? Je suis au courant que tu seras là pour le mois de juin. Non, je te fais ta gamelle, tu parles à ma mère. Ma mère, tu m'as dit que tu peux faire le bon bongo là, maman, le bongo là, maman. Tu peux tourner ta maman, le bongo là. Tu as le porc ou le poisson? Ah, le porc, maman. Je te touche ça. Je te touche ça. Tu confirmes toi-même. Tu veux parler ici, c'est même moi qui parler. Non. Pas trop parler, c'est on voit l'odeur, maman, comment c'est ça, ça donne, ouais, maman, elle dit qu'elle lui de ça. Fille, non, je ne me vante pas, je connais préparer. Et tu vas préparer pour ça, tu vas préparer. Dans la cuisine, elle dit non, ça n'y a pas deux là sur la toile. Tu vas pas me faire le tchaba. Non, tu vas préparer, ma pépé, tu vas préparer. Bien fait, vite fait. La seule personne qui ne sait pas préparer, c'est la seule blogueuse de Mbakata qui ne sait pas préparer ce général des abeilles. Oh, elle ne sait pas préparer. Parce que ma pépé, la cuisine qui a rien, ce n'est pas sa cuisine, c'est la cuisine du bailleur. Elle n'a jamais préparé dans la cuisine là, parce que Luz Goya mange Ongana. On a besoin Ongana. Onganda, Onganda, voilà. Onganda, voilà, c'est ça. Donc, elle a jamais préparé. Donc, depuis que papa Fonjay est parti, Pipi n'a jamais préparé dans la cuisine, dans la nouvelle cuisine du bailleur. Le général des abeilles. Donc, Pipi, non, c'est pas le général des abeilles. Maintenant, on a baptisé Pipi le général des abeilles. Oh, c'est le challenge ou pas? Donc, Pipi, challenge cuisine. Pipi, prépare dans la nouvelle cuisine, on voit. Pas dans la cuisine, on voit plus le brandy, puis la cuisine, tu fais, c'est pas ta cuisine. Elle veut être la cuisine, là, jusqu'à quand vous êtes pour elle, hein. C'est pour le bailleur, on fait sa cuisine pour les trois locataires. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrête de brandir la cuisine du bailleur. Il m'a dit, ça, Pipi. Pipi, le général des abeilles, je viens t'informer par le canal de ma mère, ma pépé. Dans l'autre jour, tu as fait le live. L'autre jour, tu as fait le live, tu as brandi la cuisine. Le bailleur m'a informé, parce que si j'ai le numéro du bailleur, on se parle, le bailleur de Rex. Il m'a dit, ma fille, va dire à cette dame qu'elle ne brandit plus ma cuisine, parce que c'est la cuisine de mes nouveaux locataires. C'est qu'il a dit. Donc, il a dit au général des abeilles que ne montre plus la cuisine du bailleur. Ce n'est pas pour toi. Donc, pépé, ça. Comment, pépé? Bon, j'ai quelques questions là. Ma pépé, pose-moi la question. Qu'est-ce que tu penses? Oui, ma pépé. De quoi? Du général? Des abeilles. Des abeilles. Est-ce que c'est normal qu'elle ait appelé seulement son président, elle n'a pas appelé son père, leur père? Le père, c'est qui? Mon papou.
Ouais, ma bébé, pardon. Moi, tout dans ça. Elle m'a fait que pardon, s'il te plaît, ma bébé, pardon. Hein. Ma bébé, pardon, s'il te plaît. Ma mère, pardon, est-ce que pas moi du côté là, pardon. Tu connais déjà, non? Ma mère, pardon. Hein? Je ne peux pas être chasse ici. Hein. Tu penses quoi de la paix? Elle m'a fait. Tu penses quoi de la paix? Qu'est-ce que tu penses de cette paix-là? Maman, vous savez, regarde-moi, Pépé. Moi, j'ai ma cible à une place. Non, j'ai arrivé par mon général une place. Oh, donc, ça ne m'intéresse pas. Tu ouais, ma fille. Ma fille, faut pas te sentir étouffée. Hein. Hein? Je suis là pour te protéger. Hein. Tu sais que je suis la toile là. Mm-hmm. Je suis là pour te protéger. Hein. Alors, ne te sens pas étouffée. Hein. Tu peux dire ce que tu ressens et ce que tu penses. Hein. Non, ma fille. Demain, Pépé, c'est ça, ma Pépé. Le point de que ma pépé, c'est la personne que ça m'intéresse pas. Donc, ce qui forme moi, ce qui ne m'intéresse pas. Le point de que j'ai ma cible une place. C'est qui m'intéresse, tu m'étais. Oh. C'est qui ta banane malaxée que tu manges? C'est qui? Elle dit que j'ai ma cible, non, ma pépé. Le ta banane malaxée que tu manges, c'est qui? Elle s'appelle comment? Pipi, non? Ah, d'accord. Ça, on ne discute avec personne. Que c'est ta nourriture, ça? Mais bien sûr, bien sûr. Sans le tuer avec personne, ça, c'est bien sûr. Abandonne pour. Et elle dit. Voilà, ça, tu n'es personne. Ça, tu dis que tu n'es personne, c'est à toi, c'est pour ma toi. Pépé. Voilà, bien sûr. C'est pour ça que je t'aime, tu es concentré sur ta cible. Tu n'as pas éparpillé oh. Comme certaines personnes qui s'éparpillent. Ils sont nombreux, ta gloire. Non, mais je trouve même un peu grave. Non, ma pépé, je dis que comme elle lève, j'ai toujours dit aux gens que comme elle lève, mon cœur va baisser. Mais pour le moment, mon cœur n'a pas encore baissé, donc. Je n'accepte pas qu'on bafoue la dignité de ma soeur grand mère maman. C'est elle qui m'a élevée. Bon. J'ai beau ça pour elle. J'ai subi les choses en Libye. Je suis entrée ici. Là, j'ai accouché. Marie n'a pas vu mon enfant. Donc, quand j'ai dit, on a publié la mère, ma grand-mère, ouais. Je ne suis pas partie. Donc, je ne peux même pas, pour le moment, là, ouais. Dire qu'il est pardonné cette femme. Je ne peux pas. Moi, je te soutiens. Hein. Oui. Tu sais que tu peux compter sur moi. Hein. Je serai en live. Je vais parler à part autant. Je serai en live demain. Parce que ton Dieu n'a pas fait ça. Oui, je ne veux pas la parole. Non, je ne veux pas la parole. Son grand frère, je ne veux pas la parole. Parce qu'il a prononcé mon nom dans son nom. Tu as son numéro, tu l'appelles, non? Tu as son numéro. Non, mais il est venu en live, non? Il est venu en live. C'est mon grand frère, non? Mon grand frère d'amour. Mais je ne veux pas la parole de respect. Il a pour comme. Facebook. Mais il n'a pas comme, non? Il a pour comme, là, il ne va pas plus la pour comme. Il faut que nous allons appeler ça. C'est mon grand frère. Je peux bien l'appeler, mais il n'appelle pas. Je vais parler aussi à André, comme il a parlé aussi à André, parce qu'il m'a prononcé. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Mimi. C'est ça qu'on va juste. Ma waouh. Il est dit. L'autre bon, bien sûr. Oui. Maman, avec celle-là, non. Oui, voilà. Il est plus à l'angala. Il est plus avec elle. Il y a le Dieu, quel est le nom de Sandrenga? Sandrenga, ça s'appelle, ça commence par elle. Pourquoi ils sont séparés? Est-ce que c'est pas à cause de Pipi, hein? Non, j'ai eu le fax, tu vois, non. J'espère que ce n'est pas à cause de Pipi. Si c'est à cause de Pipi, je ne veux pas être contente, hein. Parce que tu sais que lui et Pipi, ils faisaient souvent des duos ensemble. Hein? Donc, j'espère que. Ils font même beau couple. Ils font même beau couple, ma pépé. Oui, c'est un très beau couple. Elle a amené à Lourdes quand même. Une femme t'amène à Lourdes, tu viens. Non. Elle t'a amené pas autant. C'est elle qui a amené mon grand frère, pas autant à Lourdes. Elle t'a dit. Il ne m'a pas autant à Félix. Que... Oh. J'ai parlé bien avec la. J'ai parlé bien avec son ex-femme, avec son ex-copine. Bien même. Ça m'a tellement fait mal. Elle est très gentille. Hein. Non, elle est très gentille. Elle m'a dit que c'est qu'elle veut venir à Paris, elle m'a accueilli, maman. Elle est gentille. Elle est très, très gentille. Elle est très gentille. Elle est très gentille. Elle contribue à tout ce que je fais tout le temps. Elle est toujours là. N'oubliez pas, la cagnotte. N'oubliez pas la cagnotte. Des enfants de maman Pépé. N'oubliez pas. Nous allons partir au pays. Oui, chérie. Tu parles ton ami là qu'on appelle Allô Manda, non? Oui. Laisse le pipi. C'est l'ex de Pipi. Allô, Manoui. C'est mon ami. C'est mon ami. Il a couillé Pipi. Il m'avait dit que, dis donc, il aime parler le Pipi. Il dit que, les bidans d'Anga, la fausse Ngadat, le bidans Ngadat, Adon Toumaï, Anop Yamo. Les bidans d'Anga, quand je le vois, il embête toujours. Il dit que, oh, le gars, allô, Manoui, le gars, le Pipi. Il dit, comment maintenant?
Il m'a dit que petite soeur, pourquoi tu veux coller mon image avec celle-là? Non, allez, ma photo, allez, pendant que tu parles, ma photo, accolée ça à côté de sa photo. Il a la photo de tous ces gars-là, il est fort, hein. Alors, ma... Et papa dit que, mais il est gentil, il est gentil. Alors, ma petite amie, je l'appelle la ville que j'étais à Paris. Il va me dire que viens. Et t'as dit? C'est mon ami, c'était le Toumaïa. Et tout ça, c'était la période qu'elle était avec son mari, Pipi. Ah! Mais pendant sa relation avec son mari là, elle a eu beaucoup de mariages. Hein. Mais je... Isabelle a fait fort, hein. Et tous ces gars-là rejettent. Tous ces gars-là rejettent. Elle a eu au moins pendant qu'elle était dans son mariage, elle a eu au moins 5 relations que je connais. Hein. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Sans compter les 1 buisson, sans compter les 1 buisson qu'elle avait. Mm-hmm. Tu vois déjà comment je suis dans le vieux reste là. Mais oui. Je couille dehors. Mais... C'est comme ça qu'elle était. Hein. Donc, tu sais pas. Ma belle de jour, elle a fait le diable de jour. Hein. Et il me faut dénoncer ça. Tu sais qu'elle est dans son direct. Elle faisait l'amour avec papa. Faut dire, elle se sentait violée. Et après, elle pleurait. J'ai eu mal. La femme, là, c'est une mauvaise femme. Cette femme de pitié, là. Je te dis que Pipi. Les gens ne la connaissent pas. Vous ne connaissez pas. Vous qui faites semblant de soutenir Pipi, vous ne connaissez pas qui est Pipi. C'est ça que tu as été traumatisé. Hein. Non, papa, vous riez, vous ne savez pas qu'il y a souvent les moments comme ça, vous voyez quelqu'un. Elle a traumatisé l'enfant-ci. Nicole a été traumatisée par rapport à cette fille-là, par rapport à quand on a exposé sa grand-mère. Ça l'a traumatisée. Donc c'est pour ça qu'elle doit faire une thérapie en parlant toujours de Pipi. C'est sa thérapie, en fait. Ou un peu. C'est sa thérapie quand elle parle de Pipi. Non, non, pour dire que non, cette femme, t'as eu. C'est une putain, un truc, mon frère. Ah non, la femme là. Tu ne peux pas faire 16 ans avec un homme, tu que tu as couché avec un homme, quand tu couchais avec lui, tu te sentais humilié, tu te sentais abusé. C'est méchant. Je me dis pas que tu es plus. Elle a écouté son direct. C'est encore que j'ai écouté son live. Un homme qui s'occupait de ta fille pendant ta dernière, pendant 13 ans, il a donné tout son temps pendant 13 ans. En fait, tu ne comprends pas, Pipi. Ah. Pipi le dit, c'est juste pour choquer. Mais au fond, elle regrette, elle pleure. Elle pleure. Voilà, elle aime. Elle a toujours aimé Stéphane. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Qui a toujours aimé Stéphane. Mais que, j'ai demandé à Marie que Marie, Miss Gloria ne passe même pas à elle dans votre maison. J'ai dit non. Elle dit que je suis que moi qui. Elle dit que je suis la porte-parole de Papa Fodia sur Facebook. Aura. J'ai pris la parole que tu es la porte-parole. C'est qui commence. Papa faut de bien parler tu m'étais donc bien déjà annoncé déjà Pipi je suis là tu dis la porte parole papa faut d'assumer comment tu le vends dans sa famille connaît déjà que je suis la porte parole papa faut d'assumer donc lui oublie parce que tu as dit que les vacances papa faut plus bien parler papa faut il ne est plus qu'on n'est pas parce que papa faut déjà parler vacances mais dis non à ça tu vas lire tu as les gars non tu vas aller chez tes gars avec les Goya là attends tu es vrai méchante vrai méchante même. Non, tu es pas avec toi pendant 13 ans, tu viens d'éliminer Meta. Mais quand je ne vois pas de soutenir, il faut dénoncer ça, Nicole. Il faut dénoncer. Papa, faut dire c'est des ans. On doit dénoncer Pipi. Papa, faut dire c'est des ans. Il mourrait. Papa, faut dire. Pipi, très méchant. Pipi, méchant. Le général des abeilles, méchant, Pipi. Il est en train de mourir. Papa, faut dire que pantalon est méchant. Tintin pantalon, général des abeilles. Tintin pantalon. Et je vous annonce ici que. Tintin pantalon de Tintin pantalon. Samedi, nous serons avec Babalé. En personne. Nathalie Babalé. Nous serons ensemble. La femme au large d'eau. Oui, elle sera avec moi le 30. Waouh. C'est bien ça. Waouh. On va entrer comme des déesses à Canéo. Merde. Dis que John Maria. Regarde, dis que John Maria passe à Chouane. Merde. La dimanche. Bien sûr. La dimanche. John Maria. Et que ça. Maman. Oui. Ouh. Ouais. Ouais. C'est bon. Le duo de Toc. Non, c'est pas grave. Et maintenant, la reine des scarabées. C'est mon annonce, la reine des scarabées, là, ça va faire votre. Waouh. Bien ça. Après ça. Hmm. Ah! Wow! Ben, no!
La reine des scarabées, dès qu'on annonce son entrée, elle est rentrée comme ça. Oh, c'est même ton fils là. Dès qu'on annonce son entrée, avec sa petite culotte comme ça, on voit les joues des fesses. D'accord. Dès qu'il vient, elle fait d'abord ça. Pam, pam. Le gars doit rester derrière, c'est pas lui la star, c'est nous les stars. Il est derrière la star. Comme il est timide là, il va entrer à son tour. Babalé, quand Babalé va entrer, wow. Dès qu'on va annoncer, elle va entrer. Ah bon, après m'a dit tchoum tchoum pantalon. Bébé dit. Ça va être grave, hein? Ça va être triomphal. Oui. Papa ne m'a fait comme ça. Grave, hein? Ça va faire mal, hein? Donc, les actions auront tort. Nous, on a encore une vente privée du côté de Nanto. Tant pis pour vous si vous ne me donnez pas au. Vente privée. Le 30 mars, samedi. Le soir, on serre la ceinture. Wow. Et on tourne les reins. Tournez les reins. Il me faut une chanson avec laquelle je vais entrer. Il faut que j'étudie ça. Il y a des cas où on entre avec une chanson. Parce que papa, il va entrer avec Moi, j'entre avec quoi? Donnez le son de la chanson qu'elle doit entrer avec elle. Il y a des cas, j'entre avec une chanson. La chanson avec laquelle elle doit entrer, allez avec ma démarche. La démarche contrôlée. Du diamant bleu. Aïe! Magnaka ma bobé. Ça va faire mal. Parce que ça va faire mal. Aïe! Moi, il y a choisi ce que Baba va entrer avec. Regardez, vous montrez ma tomate. Comment ça y a? C'est déjà. Et puis maintenant, je mets le poisson dedans. Oui, non. J'aime quand ça a bien tari. Oui, non. Parce que ça va faire mal. C'est un peu la chanson que vous voulez que j'entre avec. Vous voulez que j'entre avec quelle chanson? Hein? La tête cassée. Vous voulez que j'entre avec quelle chanson? Ma chanson, c'est démodée. Il faut une chanson qui va entrer avec ma démarche. Vous voulez qu'on entre avec quoi? Décidez-vous. On entre avec quoi? Je mets de l'ail maintenant. Vous voulez qu'on entre avec quoi, mes chéris? Mes bébés d'amour. Vous savez que je vous représente partout, je parle valablement. Et je vais vous dire, attendez, je vais vous dire comment je vais me tenir. Quand je vais entrer, vous savez que mes entrées souvent sont vraiment dans la classe. Dans la classe. Je ne fais pas le boucan, il n'y a pas le boucan. Je vous ai toujours dit que les personnes qui me suivent, c'est les aristocrates. Les aristocrates, c'est... Oui. Maintenant, ceux qui auront les petits cadeaux pour venir donner pour le lait de l'enfant. Quand on vient me glisser ça, là, quand on me glisse ça, j'entre. C'est-à-dire, merci. Salut. Je ne suis pas là qu'elle me lève pour aller sur les tables des gens. Vous venez me voir là, je suis assise. Vous ne venez pas, hein? C'est moi la star. Si vous êtes star, dites-moi déjà avant. Hein? Bon, en tout cas, nous tous, nous serons stars là-bas. Chacun sera star à son niveau. Mais je vous offre les photos, hein, les autographes, je vous les fais gratuits. Hein. Vous ne payez pas, d'accord? Ça sent bon. Je vous les fais gratuits, hein, donc je ne vais pas vous faire payer les autographes. N'ayez pas honte, hein, n'ayez pas peur. Venez, je vous attends massivement. Le 30 du côté de Nantes. Donc je sais que j'ai des personnes qui m'aiment bien en Nantes. Il y en a beaucoup. J'ai des personnes qui m'aiment beaucoup à Nantes. Hein. Donc j'arrive là-bas, à Nantes. Je vous attends massivement. Il y a les ventes privées. Profitez. Vous ne venez pas me dire après que ma pépé. Ouais, je n'étais pas là avec les ventes privées. Hein? Venez acheter. Oh. Venez. Et vous sachez que quand vous achetez là, ça nous fait du bien. C'est la tête cassée. C'est nous qui gagnons, les enfants de maman pépé qui gagnent. Donc quand vous achetez comme ça, la bourse aussi dit que bon, vous avez acheté beaucoup. Voilà ce que vous avez pointé. Donc, achetez. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura encore une autre vente privée ici en France. Donc,
N'hésitez pas, achetez. Donc le 30. Le 30 qui est samedi. On va ajouter un peu de sel. Un tout petit peu. De sel. Voilà. Je vous ai dit ce qu'il y a au menu, non? Vous connaissez la dorade, sinon. J'achète ça au supermarché. Il nettoie, mais il ne nettoie pas bien. Donc moi, je viens encore nettoyer, c'est ça la maison. Ouais, non. Hein? D'habitude, je le fais briser. Il est aussi très bon brisé. Hein? Il est très, très bon brisé, ce poisson-là. Brisé, c'est très bon. Dites à quoi, coucou, quand même. Je n'ai pas besoin de son renfort, hein. Elle ne se jette pas les fleurs. Elle ne passe pas, je l'ai trop appelée. Elle ne me sert à rien, moi. Elle ne connaît pas d'abord clasher. Elle était venue ici qu'elle clash, qu'elle va sortir les choses. On n'a pas vu sortir quelque chose. Donc, elle ne connaît pas le clash. Donc, elle ne connaît rien dans le clash. Non, on croyait que c'était une grande clasheuse. Ce n'est pas une clasheuse. Elle ne connaît pas le clash. Elle dit lui qu'elle est. Maman Pépé a dit qu'elle lui dit que maman Pépé a dit qu'elle est. Occupe-toi des enfants. Fais les directs, tu nous montres comment tu t'occupes des enfants. Fais les directs, tu nous montres comment est-ce que tu nourris le bébé, tu donnes le sein au bébé. Fais les directs, tu nous montres comment est-ce que tu passes les nuits blanches, parce que je connais ce que c'est. Fais les directs, tu donnes les conseils, que quand tu vois l'enfant commencer à chauffer comme ça, c'est que c'est ça qui dérange l'enfant, les colites, les machins. Fais les directs comme ça là, c'est ça qui est bien pour toi. Laisse les machins que tu veux te bénir, dis là que tu m'appelles au secours au renfort, je t'ai jamais appelé au renfort. Hein. Hein? Hein? Parce que moi seul d'abord, j'atomise. Et quand j'atomise, ça commence à pleurer de partout que non. J'ai entendu ce matin le direct de Ndolé Miondo. Hier, j'étais trop fatigué. Si vous avez remarqué dans mon live, j'étais tellement fatigué. Si vous regardez bien mon live hier, j'étais vraiment fatigué. Donc, du coup, le direct de Ndolé Miondo, c'est aujourd'hui que j'ai suivi ça. Même pour Babalé, c'est aujourd'hui que j'ai suivi ça. J'ai écouté comment est-ce qu'il y a des personnes qui ont intervenu. Il était cassé, il y a les abeilles qui intervenaient là-bas. Il y a une qui disait que je suis très méchante, je suis très crue. Oui, parce que moi, je prends beaucoup sur moi. On m'atomise, on m'atomise, on m'atomise. Quand je sors, c'est pour ça que je dis toujours que ne me cherchez pas les problèmes. Parce que quand vous venez me chercher les problèmes, quand moi je sors, je n'ai pas de limite. Je veux toucher là où ça fait mal. Si je vois que j'ai dit, j'ai insulté peut-être ta blessure que tu as depuis. Je vois que ça ne te touche pas. Je pars en profondeur, je tourne bien là-bas dedans comme ça. Là, je mets l'alcool en tournant. Tu vois déjà que la plaie là, tu mets l'alcool au fur et à mesure que tu tournes. Ça fait très mal ça. Oui. Ça, je n'en disconviens pas. La personne qui l'a dit là, le truc a raison. Parce que je ne cherche pas les problèmes. Je ne provoque pas. D'accord? Alors quand tu me cherches, pour moi, ne finis pas très vite. Pour moi, quand tu t'attends pas, c'est là que je sors. Je peux commencer à mettre du poisson déjà. Donc, ne venez pas me chercher, soi-disant, oh, je vais vous caresser. Non, je ne vais pas vous caresser. Je vais être méchante avec vous. Oui. Ça, regardez au début de mes lives, au début ici, quand je commençais les lives. Ça, je vais manger ça. Oh, c'est mon corps. Moi, je mange ça avec les pâtes. Au début ici, là, je ne connaissais pas insulter. Mais maintenant, moi aussi, j'ai passé le diplôme des injures. Ça ne chauffe pas. Naweti. Would you speak me? Would you coach me? I'd coach you. Would you insult me? I'd insult you. Et me, I'd insult. I'd all people for fine girl. I'd insult me. Me, I'd insult. Chris Mann, eh? I'd Chris. Chris. Yeah. Actrice. On va te débloquer tout à l'heure. On va te débloquer, d'accord? T'inquiète, tu vas te débloquer. Le poisson, c'est beaucoup. Je crois que je vais garder l'autre. Hein. Je vais mettre de côté comme le type Simpson manger le poisson, le bobolo. Chin-chin pantalon. Vous allez voir comment les vrais stars vont le présenter. Oui, non, ça a rempli la mamie, donc
vous posez ça ici en haut comme ça. On va se poser. Là, il y a la queue. Il y a encore la queue. Ouh! J'ai cassé le poisson. Je mets ça ici. J'ai cassé l'autre. Je vais manger ça. Voilà. Oui, non, j'ai bien fait faire cuire la tomate parce que je voulais que ce soit sec sec. J'ai pas mis pour que le poisson, parfois je mets le poisson cuit avec la tomate, non. Que le condiment de la tomate, là, ça pénètre bien aussi dans le poisson, mais j'ai pas voulu ça. J'aime quand, je peux pas au goût de, du parfum, lui il aime quand c'est sec sec. Et puis tu connais faire la marmite comme ça. On appelle ça que on sait, Mbenga. Bon, non. Est-ce que tu connais faire comme ça? Tu ne connais pas. Le reste, là, je sais que tu es là. Regarde comment il prépare. Vous avez dit qu'on a pris vos gars. On a pris les gars, on a pris les gars. Ouais, c'est ça. Il y a ma yam yam. Même on peut les faire ici. Je vais mettre le riz. Parce que le riz, comme ça, c'est sur le, dans le cuisseur. Je mets quand à une heure que je sais qu'il va rentrer. Si, même maintenant, là, je vais le riz quand c'est chaud. Je vais avoir tout ça ici. C'est un petit pantalon. Tu m'as demandé que quand les femmes parlent, est-ce que moi aussi j'ai le droit de parler? Oui, c'est mes larmes au fond. L'homme, c'est quoi? Le ventre et le bas-ventre. Toi, comme tu connais laver la maison, c'est que tu peux bien tenir. Il va manger la maison que tu as lavée là. Il va manger la maison que tu as lavée. C'est d'abord ça. Quand le gars, c'est pour ça que vous voyez vos gars, souvent ils sont obligés de partir chez les anciens gars. Parce qu'ils se rappellent de la chope qu'ils chopent là-bas. Maman, tu te poses la question, qu'est-ce que mon gars parle encore chercher là-bas? Est-ce que je ne tourne pas bien? Adjen Zeben, comme le mauvais esprit. Hein? Oh! Merci, Bambo. Tu peux me faire baba, tu vas parler de l'anglais. Tu pantalon, on va me faire parler l'anglais. Hein? Manger les pâtes avec le zongo, le piment. Piment bien écrasé. Et un peu bobolo. Le gras chop. Toujours. Ça ne manque pas dans la maison aussi. Là, j'ai fini de préparer. Mais je vais encore faire ça pour que ça ne colle pas en bas, parce que ça peut coller. Allez, on. Pipi. Général des abeilles. Chui. Maman, Pelke, tu peux la préparer. Ma fille Nicole a passé la commande et manger un bon goût. Ça va être fait. Mon diamant, je vais te faire toucher ton bongo aussi, t'inquiète pas, moi-même. Là que quelqu'un va venir. Oh. On est préparé. D'abord. Ça continue de l'aider. C'est faire à manger. Manger. Pourquoi ça, ça va couler en bas? Les gens, vous avez vu ce qui est au menu chez moi aujourd'hui, non? Et vous, qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Pipi, le kebab va te tuer. Le kebab, elle est abonnée. Le tacos, le général des abeilles. Pipi. Le tacos veut sa mort. Tu as le tacos jusqu'à. Tacos. Quand on me dit que quand les femmes parlent, est-ce que tu as le droit de parler? Non. Mbap. Mes gens, j'ai appris un morceau, les pâtes. On va aussi me mettre bien. Hein? Il faut que j'achète. J'étais à la pharmacie, j'ai oublié d'acheter Bricolax. Parce que je dois être comme ça. Comme ça, quand il va arriver samedi, je dois être comme ça. Oui, parce que. Je dois être comme si je ne m'endormais pas. Et quand je me rappelle comment ce pipi me dit souvent que. Hey, quand tu prépares souvent, ça me pionce. Quand tu prépares, tu me donnes envie.
quand tu manges, quand elle est en train de mettre 50 ans, elle me disait toujours qu'elle aimait quand je prépare. C'est pour ça qu'elle est sa soeur, elle aime faire le ndok. C'est pour ça qu'il part là-bas chez Ngombongo Indi pour préparer, pour manger. Je vous ai dit que Ngombongo Indi connaît préparer, mais sauf qu'elle ne connaît pas, elle ne laisse pas la nourriture cuire. Elle ne prépare bien. Elle connaît assaisonner la nourriture. Moi, elle dit les choses quand c'est la vérité. Ngombongo Indi connaît préparer, mais elle ne laisse pas la nourriture cuire. Ce n'est que ça avec elle. Elle mange le porc cru, mon frère. Vous voyez son ventre gonflé comme ça. Là. Il y a quelqu'un qui l'a vu qui a dit qu'elle est comme si elle avait 6 mois de grossesse. C'est pour ça que porte maintenant les djerebas. Ou c'est les djerebas, ou c'est les soirebas. Ouais. Ngombongo Indi, non, mais. Ngombongo Indi, maintenant, porte les soirebas et les djerebas. Parce que le ventre va exploser. On va faire comme les autres font là. N'aie pas peur. N'aie pas peur que tu vas aller sur la table, tu vas dire, tu ne vas pas dire, tu es là, tu vas vivre. C'est le poisson qui est encore là. Qui m'appelle? Vous ne voyez pas que je suis en live? On m'appelle là. Je suis en live. Wesh. Mais Jean, je vous laisse, non? Hein? Aujourd'hui, je vais dormir tôt. Je vais dormir tôt aujourd'hui. Ce live était pour dire à Coco, que ma chérie, oublie. Ne te jette pas des fleurs, hein, d'accord? Ne te donne pas de l'importance, parce que je n'ai pas besoin d'alliés quand je pars en guerre, moi. Les seuls alliés que j'ai besoin souvent, ce sont mes enfants. Puisque mes enfants sont même doux, parce qu'eux, ils me disent souvent que maman Pépé laisse, ne répond pas pardon. Me retiennent beaucoup. Donc, ne te vante pas, hein. D'accord? Tu avais pris ma pièce dentée, tu es parti prendre les contraventions avec ça. Toi-même, tu me l'avais dit. En me donnant les conseils que ne prends plus jamais. Tu m'as dit que vous avez pris ma pièce dentée, que j'avais postée. Comme on disait que je n'avais pas les papiers. Tchè, je suis venu aussi. J'ai posté. C'est pour ça que je vous dis souvent, même vos cartes bleues, ne montrez plus comme ça. Quand on fait la capture, là, on élargit l'image, on peut vous traiter avec. Ne montrez plus. On dit que vous avez, vous n'avez pas, vous dites oui. Vous montrez ce que vous avez envie de montrer, ce que vous ne voulez pas, vous ne montrez pas. Ma pièce dentée, elle a pris celle partie pour les contraventions avec ça. D'ailleurs, quoi que moi, je peux être ami avec elle. Même si j'ai besoin des alliés, Seigneur, pas celle-là. Quand même, ce serait descendre trop bas, trop, très, très basse. Hein. Ah, ah. On connaît quand même les gens qui ont besoin de ces gens d'alliés. On le sait quand même. Mais j'ai envie de savoir, comme là, elle était avec le général des abeilles. Pour ça, je voulais savoir. J'ai fait ça pour qu'ils viennent nous dire, même pas elle, qu'ils viennent nous dire qu'est-ce qu'elle en pense. Hein? Azubika, Akabia, elle nous dise. Bon. Sur ce, je pense pas que je ferai encore une direct aujourd'hui. Peut-être demain seulement. Parce que moi, ce jour-ci-là, je ne dors pas très tôt. Baba m'a donné les insomnies. Je ne dors pas. Il faut que je dorme vraiment. Moi, je suis pas d'abord en santé. Il faut vraiment que je dorme tôt. Hier, j'ai dormi quand même tôt. Ça m'a fait du bien aujourd'hui. Pour dire la vérité. Donc, merci, il y a quand même le Japap. Je vais vous m'envoyer, moi aussi, j'écoute un peu. Oui, non. Sur ce, prochaine fois que vous faites la paix, pensez aussi à Passirage. Pensez aussi à lui faire un big up. Vous ne pouvez pas l'abandonner comme ça et je ne suis pas contente. Voilà les deux choses qui m'ont fait faire le direct. Banjansan et Coco, vous dites que je n'ai pas besoin de toi comme allié. Ne trompe-toi d'office. Pour dire aussi que vous avez appelé président, vous avez oublié Banjansan. Lui, alors, il est quoi maintenant dans la sauce? Hein? En tout cas, en bon entendeur, salut. Ciao. Je partage les directs des personnes qui partagent mes directs. La tête cassée. Quelqu'un me supporte. Si la personne me supporte pour 2 jours, on avait la personne pour 2 jours. Si la personne nous tourne le dos, nous, si on part, on tourne le dos. C'est tout. Ou bien, vous n'avez pas remarqué, quand on me soutient là, je suis là. Dès qu'on ne me soutient plus, je m'avais effacé tout ce que j'avais partagé. Quand tu es là, ma pépé, le diamant bleu, le diamant. Dès que tu me tournes le dos, j'efface tout ce que j'avais un jour partagé de toi. Donc c'est comme ça. D'accord? Voilà.
Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Maté Kassé. Oye, je vous aime. Ne doutez jamais de mon amour envers vous. Et j'adore quand vous, vous entendez quelque chose, vous m'appelez. Je suis très d'accord. Je vous aime. D'accord? Ok. Gros bisous. Et n'oubliez pas, continuez les posts. Valorisez votre travail. Valorisez votre mère. Valorisez votre... Envahissez la toile avec l'image de votre mère. C'est très important. Envahissez. Parfois, vous voyez mes directs, vous ne répondez même pas. Vous, vous envahissez seulement la toile avec les images de votre mère. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le diamant bleu. La seule personne qui fait briller la toile, c'est moi. Oui? On ne va pas se mentir. Alors, faites seulement briller la toile. Vous postez, vous travaillez. Dès que vous voyez que la lutte a posté quelque chose, partagez, partagez. C'est ça notre gagne-pain. D'accord? Je vous aime. Bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.